Alors, dans l'article 3 de la question 3, on continue notre discussion sur la simplicité divine. Dans les deux premières questions, l'article, on a demandé la question « Dieu est-il corporel et Dieu est-il composé de matière et de forme? » Dans les deux réponses, c'était non. Dieu n'est ni corporel ni dans un corps et il n'est pas non plus matière et forme. Ces deux questions vont ensemble. Si Dieu est matière et forme, il est donc corporel. S'il est corporel, il est composé de matière et forme. Dans les deux réponses, on comprend que Dieu n'a pas de corps. Il n'est pas composé avec la matière. Si on doit parler de Dieu en rapport avec la question de forme, on doit dire qu'il est sa forme. Okay? Maintenant, dans cette section ici, dans l'article 3, on demande la question suivante. Dieu est-il la même chose que son essence ou sa nature? Il y a deux distinctions intéressantes qu'on va voir dans cette question, cet article et dans la prochaine. Dans la prochaine, on va demander la question en Dieu, l'essence est-il la même chose que l'être? La distinction entre être et essence était une distinction importante qui a été découverte déjà dans le Moyen Âge par des penseurs musulmans, mais qui existait déjà, on pourrait dire, en forme un peu pas trop développée chez Aristote. C'est déjà présent chez Aristote. Ici, dans l'article 3, la question qu'on est en train de demander est: est-ce qu'il y a une différence entre la substance, c'est-à-dire l'être existant, qu'on appelle Dieu, et son essence ou sa nature? Pour comprendre cette question, et on va l'expliquer un peu plus en profondeur dans la réponse de Thomas d'Aquin, mais pour comprendre cette question, il faut essayer de penser à la substance, non comme dans le sens moderne du mot substance, ou ce que certains des philosophes modernes ont décrit la substance comme étant une substrat ou une partie intérieure à une chose qu'on voit qui existe, mais on ne sait pas trop c'est quoi. C'est quelque chose qui ne peut pas être décrit. Okay? Ce n'est pas du tout qu'est-ce que Thomas d'Aquin veut dire par le mot substance. Quand Thomas d'Aquin utilise le mot substance, il suit Aristote, qui, pour Aristote, le mot substance, qui est le mot grec ousia, signifie être existant, ou un être qui est, ou on pourrait dire une essence qui est. Le point, par ce mot ousia, ou par le mot substance, ici en latin, le mot qui est utilisé, c'est suppositum, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui existe. Donc, tu peux le voir ou toucher, ou du moins, on peut dire c'est une essence réellement existante. Donc, pour aider à la réflexion, quand on utilise le mot substance, pense à quelque chose comme moi ou toi-même. Je suis, vous êtes des substances. Vous avez une nature, mettons, on va dire nature humaine, qui est. Donc, tu peux dire, j'ai un corps, c'est mon corps à moi, j'ai ses os, ses mains, ses cheveux, et tous les accidents qui t'appartiennent. Tu es une substance selon Aristote et Thomas d'Aquin. Ce n'est pas quelque chose qui est à l'intérieur de toi que tu n'es pas capable de découvrir. Tu es la substance dont on parle. Puis, la question qu'on demande, c'est est-ce qu'il y a une distinction entre le nature, le qu'est-ce que c'est, et la substance, la chose qui existe? Et donc, regardons maintenant comment on répond à cette question. Donc, premièrement, il y a deux positions contraires. On va juste présenter le premier parce qu'on va revenir à ce premier après. Puis c'est assez intéressant. Il dit, rien n'est à proprement parler en soi-même. Hors de l'essence ou nature de Dieu, qui est sa divinité, on dit qu'elle est en Dieu. L'idée ici, c'est que dans la substance qu'on appelle Dieu, se trouve sa nature. Okay? Et donc, aussitôt qu'on commence à parler de quelque chose qui est dans l'autre, on les distingue. Tu as une tasse de café avec le café en dedans. Okay? Donc, l'idée de distinguer entre le café, puis le tasse de café et le café qui est en dedans, ça soulève la notion d'une distinction entre le tasse et le café. Donc, aussitôt qu'on soulève l'idée que la nature divine est en Dieu, on est en train de soulever une notion de peut-être qu'il y a une distinction entre la substance divine et sa nature. Et la conclusion, elle en est donc distincte. Le deuxième fait référence à l'effet à sa cause, puis que le fait ressemble à sa cause. Mais on ne regardera pas lui, on va regarder plutôt le premier lorsqu'on arrive à la fin. Il est dit de Dieu, dit Thomas d'Aquin, pour répondre,
à ça. Il a dit de Dieu qu'il est la vie. Et non pas seulement qu'il est vivant. Et il cite comme autorité Jean chapitre 14, 6, où ce que Jésus dit, « Je suis la voie, la vérité et la vie. » Jésus ne dit pas « J'ai la vie », comme moi je suis obligé de dire. On ne pourrait pas dire de David, « David est la vie », ce serait certainement faux. Au contraire, on doit dire « David a la vie ». Mais Jésus dit lui-même « Je suis la vie ». Ce qui est à la fois une affirmation de la divinité, de sa divinité, mais c'est aussi une manière de dire que la vie qu'on peut attribuer à Dieu, ça fait partie de qu'est-ce qu'il est, c'est sa nature. Et donc, il conclut, donc Dieu est, ce qu'on peut dire que la vie est au vivant, aussi la nature divine est à Dieu, donc Dieu est à sa divinité même, donc Dieu est la nature divine. Regardons maintenant comment que Thomas de Aquin va répondre à cette question. Dieu est-il la même chose que son essence ou sa nature? Pour comprendre cette vérité, il dit, il faut savoir que dans les choses composées de matière et de forme, nécessairement, il y a distinction entre la nature ou essence d'une part et le suppôt, c'est-à-dire la substance de l'autre. Donc, on voit déjà, lorsqu'on parle des choses qui sont composées de matière et de forme, qu'il y a une distinction claire entre la substance, cette chose qui a ce corps, ses os, et la nature. Comment est-ce qu'on voit ça? Il dit, premièrement, c'est quoi la nature? En effet, la nature ou essence ne comprend que ce qui est contenu dans la définition de l'espèce. La définition de l'espèce, du moins depuis au moins Aristote, quand on parle de la nature humaine, on dit que l'être humain est un animal rationnel. On parle de genre, animal, différence d'espèce, rationnel. Donc, si on parle de genre, l'être humain est, comme tous les autres animaux, des chèvres, des chiens, des oiseaux, etc., il est un être vivant, organique. Donc, quand on dit organique, c'est-à-dire qu'il y a des organes qui fonctionnent, qui participent à soutenir sa vie, et qu'il est lui-même le principe de sa propre mouvement. Donc, c'est l'être humain qui se mouvoir pour chercher des choses, tout comme le chien, tout comme le chèvre. Le chèvre a faim, il s'en va boire son lait ou manger son chose, il mange le gazon. Le chien ou le chat, il a faim, il s'en va manger sa nourriture. Son mouvement vient de l'intérieur de lui-même. Okay? Et l'être humain est pareil. Donc, à tous ces niveaux, l'être humain est un animal. Mais on peut distinguer l'être humain de tous les autres animaux en remarquant que là, que l'être humain, étant distinct des autres, est rationnel. Il y a la rationalité qui influence toutes ses actions, autant la construction d'une maison qu'une œuvre d'art, que la pratique d'un art martial ou le yoga, ou que d'écrire un livre ou de réfléchir sur le sens de sa vie. Tous ces aspects-là sont des actions qui démontrent la rationalité chez l'être humain, mais qu'on n'observe pas chez les autres animaux. Donc, la distinction entre les êtres humains et les autres animaux, c'est sa rationalité. Alors, nous avons espèce, genre, animal, différence d'espèce, rationnel. Alors, la nature ou l'essence ne comprend que ce qui est contenu dans la définition de l'espèce. De cette manière, l'humanité comprend ce qui est, le mot humanité, qui fait référence à la nature humaine, comprend ce qui est inclus dans la définition de l'homme, car c'est par cela même que l'homme est homme. Et c'est cela qui signifie le mot humanité, à savoir ce par quoi l'homme est l'homme. Donc, lorsque tu me regardes et tu vois David est un être humain, OK, le un faisant référence au fait qu'il y en a d'autres, ça signifie que je suis une instance ou un individuel dans une espèce. On a l'espèce d'être humain et il y en a plusieurs exemplaires, on pourrait dire. Plusieurs êtres qui existent, donc qui sont des substances, qui ont la nature humaine. Et notez le mot « ont ». C'est O-N, ça signifie qu'ils ne sont pas la nature, mais que la nature est dans un sens dans la chose. Il dit et il explique. Okay? Donc, on voit maintenant déjà, on commence à déjà voir qu'on peut distinguer entre la substance qui a la nature humaine et la nature humaine en elle-même. Il continue. Or, la matière individuelle, joint à tous les accidents qui l'individualisent, n'entre pas dans la définition de l'espèce. Si
la matière individuelle rentrait dans la définition de l'espèce. Alors, lorsqu'on disait être humain, tu ferais référence à un seul être humain. Donc, si, mettons, le corps individuel avec tous les accidents que j'ai, si ça rentrait dans la définition de qu'est-ce qu'un être humain, alors pour être un être humain, il faudrait que tu sois moi. À ce moment-là, il faudrait peut-être dire que chaque individu est son propre espèce. Donc, il n'y a plus d'espèce d'être humain. Il y a l'espèce David, il y a l'espèce de toi, il y a l'espèce de ton ami, mais il n'y a pas, mais nous n'avons rien en commun, aucune nature commune. Ce qui devient un peu compliqué, mais ça, c'est un autre sujet, on pourrait discuter. Alors, pour Thomas d'Aquin, la matière individuelle, joint avec les accidents, n'entre pas dans la définition de l'espèce. On ne peut introduire dans la définition de l'homme cette chair-ci, ces os ici, cette blancheur, cette noirceur, etc. Donc, cette chair, ces os et les accidents qui caractérisent cette matière ne sont pas compris dans l'humanité. Et cependant, ils appartiennent à celui-ci, cet homme. Donc, le fait qu'on est capable de distinguer entre la substance qui a la nature humaine et la nature elle-même, signifie qu'on a une distinction réelle. On est capable de voir cette distinction. Maintenant, est-ce qu'on voit cette distinction chez Dieu ou chez des êtres séparés de corps et de matière? Donc, il dit, mais dans les êtres qui ne sont pas composés de matière et de forme, donc on peut parler ici des anges, on peut parler de Dieu, etc., en qui l'individuation n'a donc pas pour principe une matière individuelle, à savoir telle matière comme ce corps, mais où les formes se trouvent individualisées par elles-mêmes. Donc, chaque forme est sa propre être, son propre substance. On peut dire d'une autre manière, la forme est son propre principe d'individualisation. Donc, chaque forme est une individuelle. Ça veut dire que pour Thomas d'Aquin, chaque ange est sa propre espèce. Alors, si on parle des billions d'anges, il y a donc des billions d'espèces d'anges, ce qui est assez intéressant parce que ça implique que pour Thomas d'Aquin, le monde des esprits est autant sinon plus diversifié et donc on pourrait dire plus beau même que le monde physique, ayant probablement beaucoup plus d'espèces et donc beaucoup plus d'anges différents. Ensuite, il continue. En qui l'innovation n'a donc pas un propre principe, à savoir de telle manière, mais où les formes se trouvent individualisées par elles-mêmes, il faut que ce soit les formes elles-mêmes qui se trouvent être la substance, le suppôt, le subsistant, de sorte que dans ces êtres-là, il n'y a pas de distinction entre suppôt et nature. Donc, dans un être immatériel, on peut dire ça de même, la substance et sa forme, ou on pourrait dire la forme et la substance. Il n'y a donc pas de distinction entre la forme ou la nature ou l'essence et la substance. Conclusion. Ainsi, sachant qu'en Dieu, il n'y a pas de composition de matière et de forme, ça veut dire qu'il fit dans cette deuxième classe d'être, on peut dire classe d'être pour comprendre l'idée ici, on doit donc conclure nécessairement que Dieu est sa propre nature divine, sa vie, et quoi que ce soit d'autre qu'on affirme ainsi de lui. Alors, si on comprend que Dieu n'est donc pas composé de matière et de forme, ça implique qu'il est sa propre forme, ce qui signifie qu'il n'y a pas de distinction entre la substance divine et la nature divine. Donc, ce que la nature divine, c'est ce que Dieu. Alors, tout ce qu'on affirme de Dieu, de sa nature, on est en train d'affirmer du substance. Alors, si on dit Dieu, si on veut attribuer, mettons, la vie, la justice, la bonté ou la beauté à Dieu, alors on ne dirait pas, comme si on parlait d'un être humain, que, mettons, David est juste ou David est bon ou whatever, on dirait, ou ce que le « est » signifie qu'il y a une distinction entre ce que la bonté est ce que David, on dirait au contraire, Dieu est bonté, Dieu est beauté, Dieu est vérité, etc. Dieu est vie. Alors, chacune de ces choses qui sont attribuées à la nature divine sont la substance. Donc, réponse à la question, est-ce que la substance divine est sa nature? La réponse est oui. Il n'y a donc pas de composition entre substance et nature. Maintenant, dans la solution, à la première question, vous vous rappelez, on parlait de comment on parle de Dieu. On dit que Dieu,
la nature divine est en Dieu ou Dieu est dans la nature divine. Il y a cette idée qui est là. Thomas d'Aquin explique que le langage fait faute, en fait. On devrait peut-être plutôt dire que la nature divine est en Dieu. On devrait plutôt dire que Dieu est sa nature. Point. Dieu est la nature divine. Mais même là, on dirait que le langage fait défaut parce qu'on dirait qu'on fait une distinction entre le Dieu qui est la substance puis sa nature. Et là, il donne le réplique suivant. Le langage ici prête à illusion. Le langage fait défaut. Quand nous ne pouvons parler de choses simples, quand les assimilant aux composés, d'où se prend la connaissance. Donc, nous, étant des êtres de nature composée, on comprend ou on arrive à la connaissance selon notre nature, selon ce que nous sommes composés, et donc notre connaissance va de force comprendre des choses comme étant composées. Donc, lorsqu'on parle de différents êtres, que ce soit un être qui est composé ou un être qui est simple, on va toujours le décrire à notre manière, donc composé. C'est pourquoi, parlant de Dieu, en voulant le signifier comme subsistant, nous employons des termes concrets parce que notre expérience ne nous montre comme subsistant que des êtres composés. On n'est pas capable de comprendre autrement. Si donc on dit que la divinité ou la nature divine ou la vie ou quoi que ce soit de pareil est en Dieu, il ne faut pas rapporter qu'à notre esprit et à sa façon de concevoir la diversité des termes ainsi distingués, non à quelque diversité dans le réel. Donc, lorsqu'on attribue à Dieu les prédicats tels que justice, grâce, amour, vie, vérité, beauté, bonté, etc., ils sont, selon nous, chacun différents et impliqueraient une composition dans la chose. Mais puisque Dieu est sa nature, il faut donc comprendre qu'en Dieu, ce que nous on voit et articule comme étant composé, en Dieu n'est que un. C'est-à-dire absolument simple. Dieu est chacune de ces choses sans composition.